Allez, pour commencer, c'était hier euh, Clément Beaune, notre euh, ministre des Affaires européennes, qui, se, qui, qui veut voir le verre à moitié plein en matière de, de politique euh, vaccinale. De son point de vue, c'est assez logique. Qui se réjouit. Il y a aussi de très bonnes nouvelles. Plus de 7 millions de doses Pfizer euh, supplémentaires pour la France livrées en avril et, et juin. Et c'est le fait d'acheter ensemble euh, qui permet cette, euh, cette avancée. Il réagissait à un, un tweet de la présidente de la Commission qui euh, annonçait ses 50 millions de doses supplémentaires sur le deuxième trimestre euh, pour le coup, pour l'ensemble de, de l'Union européenne, dont 7 millions donc euh, pour la France. Sur le sujet vaccin, euh, euh, Grégory euh, l'a, la évoqué euh, tout à l'heure. Euh, si on mélange euh, vaccin et euh, la France dans le monde, ça, ça donne quoi, selon vous, cette situation à le, le mélange, ça nous donne que la France, ce n'est pas le pays le plus rapide dans le monde pour obtenir les vaccins. Mmh. Ouais, pour vacciner. Non, euh, je, je crois qu'on. Ce qui, est, ce qui est embêtant, c'est ce sentiment, effectivement, mais Grégory l'a dit un petit peu tout à l'heure, de, de la part de la population, qu'on a raté plusieurs étapes. Mmh. On, on s'est déjà étonné de ne pas trouver de gel euh, mmh. ou de masque. Euh, ça, et an, on ouais. a découvert que euh, on est très, très dépendant d'autres mmh. pays, y compris pour ça. D'ailleurs, on est aussi dépendant pour le, le paracétamol, mmh. et etc. Bon, donc là, il y a eu une prise de conscience. Mais après, on, on s'est dit, bon, avec le test. Euh, euh, on, on, va être, on, on va faire mieux, on va se rattraper sur le test. On ne s'est pas vraiment rattrapé euh, sur le test. Ensuite, on se dit mais là pour les vaccins, on va mmh. voir ce qu'on va voir parce que quand même le système de santé français, etc. Et ça, euh, pas, pas extraordinaire non plus. Et évidemment, euh, ça, tout ça, tout ça pose un problème. Ça, ça veut dire que, alors de toute façon, ce qui est dans le monde, si on reprend une perspective internationale, euh, il, y a, ouais, il, y a, il y a une compétition entre différents types de régimes qui veut chacun montrer qu'il est plus efficace que les autres. Les régimes autoritaires veulent montrer que par leur discipline, euh, ils vont s'en sortir plus vite que les autres. Mmh. Les démocraties veulent montrer que par l'innovation, la liberté de la recherche, la transparence de l'information, on s'en sort plus rapidement que d'autres. On n'a pas encore le résultat du match. Je pense quand même que les démocraties, Nous, on est entre le web, les, bon, ouais, les démocraties dont on fait partie, euh, vont le gagner. En revanche, ce qui est certain, c'est que les régimes populistes. Euh, le style populiste s'est quand même effondré. Il mmh. n'y euh, a pas eu une bonne gestion, ni au Brésil, ni ailleurs. Euh, les vaccins, vous avez dit deux mots. Je ne relance pas sur les vaccins. Euh, on parlait industrie. Euh, Dépêche Reuters ce matin. TSMC. TSMC, c'est le numéro un mondial des semi-conducteurs, une entreprise de, de Taïwan qui annonçait une progression de son, son bénéfice euh, de 19% au premier trimestre et qui pourtant euh, assure que, enfin en tout cas, euh, pro, euh, rappelle que les, les, les pénuries en matière, de, en matière de puces électroniques risquent d'aller jusqu'à 2022. Encore une fois, c'est le numéro un mondial. Ce sujet, pénurie de semi-conducteurs, au regard de la thématique du jour, la France dans le monde, le vous, inspi crucial. vous inspire quoi, euh, Grégory, rapidement crucial. Premièrement, c'est la création du gouvernement de Taïwan, qui a voulu son indépendance. Pourquoi Pour créer, ben moi, ce que j'appelle une matière première, parce que c'est aujourd'hui devenu une matière première, les puces électroniques, mmh. et pour garantir son indépendance. Deuxièmement, c'est à Taïwan, c'est-à-dire à quelques enclaves de la Chine. Donc, d'autant plus important mmh. que nous sommes dépendants de ces entreprises-là. Troisième élément. L'électronique grand public ne peut pas se passer de ces euh, mmh. éléments-là. Et en fait, parce que j'ai euh, en tête, euh, c'est très simple, hein. euh, je vais reprendre la phrase de Churchill en 1913, quand il était chancelier de l'Amérique. En matière de pétrole, une seule chose euh, compte, diversité, diversité, diversité. Autrement dit, il faut qu'on crée, si on ne les a pas encore, des champions européens mmh. dans ce domaine-là, et il faut qu'on s'approvisionne de manière diversifiée pour éviter quoi Pour éviter la pénurie. Ou alors on fait des stocks. Et ces stocks-là, rappelez-vous, peut-être que vous ne savez pas, Huawei les a faits parce que Huawei a eu des problèmes d'approvisionnement quand Donald Trump a tapé sur Huawei. Mmh. Et une partie de ces problèmes-là proviennent des stocks qui ont été faits par Huawei. Vous voyez Donc à la fin du jeu, on se reprend en plein boomerang, hein, en plein visage, des décisions qui ont été prises par d'autres. Et parmi les constructeurs automobiles, c'est Toyota qui a inventé oui. le zéro stock qui, 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 sur les questions des semi-conducteurs. Et c'est celui qui avait fait le plus de stock, paradoxalement, comme quoi ils avaient pensé au coup d'avance. Allez, pour terminer, avec un sourire, je prendrai le train-couchette Paris-Nice dès que la ligne rouvrira. C'est ce qu'a promis Jean Castex, c'est le premier ministre de la France, euh, ce matin, lors de la signature du contrat de relance et de transition écologique avec le président de la métropole Nice-Côte -Nice d'Azur. Est-ce que le fait que le premier ministre nous annonce qu'il va prendre un train-couchette, dans une grande annonce de politique nationale... Il a pas quelque chose de totalement dérisoire par rapport à ce qui devrait, ce qui devrait, il devrait pas être plutôt en train d'essayer de nous promettre d'ignorer, de d'inaugurer des, des usines de semi-conducteurs euh, rapidement. Est-ce qu'on n'est pas de temps en temps un petit peu à côté de la plaque sur les vraies, les vrais, les vraies questions en 2021 je, je sais pas parce qu'il y a peut-être <laughs> des gens qui pensent qu'il faut aussi euh, se préoccuper. C'est un vrai sujet pour certaines personnes. Alors, on a un ministre, on, on peut pas dire qu'un premier ministre qui se couche pas, parce qu'il prend les trains couchettes, ouais. mais. Euh, – Mais je sais pas, je, je, je crois qu'il ne faut pas non plus être menubilé tout le, temps, tout le temps par le Covid ou les Ah non, non, par le Covid, guerres. je ne pensais voilà. pas, mais non, je pensais mais plutôt voilà, les industries du futur, je sais pas, pas quoi. – Ce n'est pas le sujet auquel j'aurais pensé. – L'hydrogène, la voiture autonome, tiens, mais... mais... ce matin, l'Estonie annonce euh... le premier véhicule si autonome mis en… Eh – Mais Ouais. Bon. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surprenant pour aller à Perpignan, de passer par Nice, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Non, mais il n'est pas obligé, il il obligé d'aller chez lui. Quoi, il, y a des, il y a des effets d'annonce sur euh, le fait que la France tient compte euh, de ses engagements, notamment en matière environnementale, et que c'est vrai que le train de nuit est un élément. J'aurais préféré qu'il annonce la rouverture, voire l'extension de euh, l'autoroute ferroviaire euh, entre euh, bah, l'Espagne et euh, le nord de la France. C'est peut-être euh, un autre sujet. Il ne faut voilà. pas qu'on soit trop en retard sur les questions environnementales avec une vision trop, trop asseziste. Je ne pense mmh. pas que ce soit le cas du Premier ministre, mais on a par exemple des partis euh, environnementalistes en France qui ne sont pas tout à fait aujourd'hui dans l'actualité sur les sujets euh, comment trouver les technologies qui permettront d'éviter le réchauffement ouais. climatique. Ils sont quand même sur d'autres polémiques. Et je, je, je crains qu'en France, on bon, soit... Nous, on est en tout cas le Premier ministre, est sur le train couchette. Euh, voilà, à suivre. Merci. <laughs> Merci. Merci, messieurs. Je rappelle Merci le titre de votre livre. La France dans le monde. Je rappelle surtout que c'est chez CNRS Éditions, donc sous la direction de Frédéric Charillon, qui était mon invité. Merci, Grégory Nivanel. Merci, Merci. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain, même heure, sur Bismarck. À demain.